Et soyez les bienvenus sur votre chaîne d'infos. On continue toute l'actualité au niveau régional en ce mercredi 22 mai. L'actualité en bref, tout d'abord avec cette annonce, le site d'Ascoval à Saint-Saulve n'est pas concerné par la liquidation de son repreneur. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Bercy. Après l'annonce de la faillite de British Steel, il y a quelques jours, l'entreprise britannique reprenait l'activité de l'acierie valenciennoise. Mais les juges britanniques viennent d'ordonner sa liquidation, un nouveau coup dur pour les 268 salariés d'Ascoval. Le ministère de l'Économie précise que l'usine de Saint-Saulve est détenue par une autre société du groupe British Steel et ne dépend pas des activités britanniques ni de son financement. Actualité plus réjouissante avec cette distinction, une bonne nouvelle pour la plage de Berck-sur-Mer qui vient d'obtenir une nouvelle fois le pavillon bleu. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle des pavillons bleus organisée dans le Morbihan. La plage de Berck-sur-Mer est la seule à être distinguée sur la côte d'Opale. Les pavillons bleus mettent à l'honneur des sites naturels qui s'engagent dans une activité touristique respectueuse de l'environnement. À noter une distinction pour le port de plaisance d'Étaples, mais aussi pour les prés d'Uhême ou encore pour la porte du Hainaut. Allez, on parle foot. Dernier match de la saison pour le LOSC. Ce sera vendredi soir à 21h en déplacement à Rennes. Les Dogs sont assurés de finir deuxième du championnat. Seul challenge, eh bien, ce sera d'égaler ou de battre le record de points sur une saison du club nordiste. Pour cette rencontre, seul Cheka est blessé, hormis Leao. Et Soumaré, parti en sélection jeune, tous les autres joueurs sont susceptibles de participer à la rencontre. Ce sera sûrement le dernier match pour Nicolas Pépé et pour Thiago Mendes au LOSC, deux joueurs annoncés comme partants. Et Christophe Galtier devrait donner du temps de jeu aux remplaçants. Aux côtés de Luis Campos, eh bien le coach travaille à la composition d'un groupe avec des profils de joueurs un peu plus expérimentés pour compenser les départs. Christophe Galtier a tenu sa conférence de presse hebdomadaire ce midi au domaine de Luchin, des propos recueillis par Vincent Vieillard. Depuis vendredi, donc veille de match d'Angers, on a commencé à beaucoup travailler, des réunions, des échanges, des entretiens. Et on aura des échanges évidemment téléphoniques tous les 2-3 jours avec évidemment mon président et Louis pour qu'on soit bien calé. Mais l'entraîneur a besoin de vacances et pour avoir vécu mes années précédentes où sûrement la structure n'était pas la même, vos vacances elles tombent à l'eau. Bon, bah, à l'eau. Vos vacances, elles tombent à l'eau et vous arrivez, vous êtes déjà quand même bien entamé, alors que là, il faudra avoir de la fraîcheur dès la reprise. Et puis le coach lillois est revenu également sur la saison de Mike Maignan. Mike Maignan, 23 ans, qui a reçu il y a quelques jours le titre de meilleur gardien de la saison et qui vient d'être appelé pour la première fois chez les Bleus pour disputer les trois matchs du mois de juin. Cette belle saison qu'il effectue, c'est avant tout grâce à son travail, à son investissement. Il a aussi peut-être appris de ses erreurs de la saison dernière. Il a modifié certaines choses dans son jeu. Il a modifié aussi beaucoup de choses dans sa préparation de match. Ça, c'est aussi la relation qu'il a avec Nuno, son entraîneur spécifique, qui, à l'approche de la compétition, lui a sûrement fait comprendre ou inculquer certains axes de travail sur la concentration. Le potentiel, il était là. Il y a eu un gros travail de fait chez lui, accompagné par Nuno. Est-ce que le fait de ne pas avoir pris un bis, ça lui a mis moins de pression ou pas? Non, Mike a été sous pression tout au long de la saison parce qu'il voulait être performant et effacer la saison dernière. Mais avant toute chose, c'est toujours grâce aux joueurs. Et passé ce match face à Rennes, les Lillois seront en vacances. Date de reprise annoncée du championnat, ce sera
le 1er juillet prochain, date de reprise en tout cas au domaine de Luchin pour les Dogues. Allez, on parle d'un secteur qui recrute, le 32e congrès annuel de la Fédération de la vente directe s'est tenu ces 2 derniers jours à Lille au Casino Barrière. Il se termine ce mercredi soir. L'occasion de rappeler que la région des Hauts-de-France compte 63 000 conseillers et conseillères dans ce secteur professionnel, secteur de la vente directe qui a recruté 1 800 personnes en 2017. Des recrutements permanents, c'est le cas au sein de l'entreprise H2O At Home, dont le siège est situé dans la métropole lilloise, à Allaines-les-Eaux-Bourdins. Depuis 1998, elle propose des produits cosmétiques et d'entretien bio. H2O At Home emploie 160 personnes et 5 000 vendeurs à domicile indépendant. Chaque mois, elle recherche jusqu'à 250 conseillers. Guillaume Lémonnerie est le fondateur. Il revient sur les profils recherchés. Si vous m'écoutez, moi, je vais vous dire une personne en colère. Une personne qui a besoin de marquer on est beaucoup de petits colibris dans l'entreprise. On est tous un petit peu en plein désarroi de se dire comment on peut agir, comment on peut bouger. Il y a plein de choses qui se créent à droite à gauche. Je suis très positif quand même. Depuis 2 ans, je vois que tout le monde, et bien entendu enfin les États, se mettent en branle-bas de combat un petit peu pour notre planète. Donc voilà, je pense que tout simplement, on peut, grâce à ce métier-là, agir tout doucement, faire des petites choses. Et nous, en l'occurrence, on nettoie les plages, on vient nettoyer les vitres des commerçants gratuitement pour leur montrer qu'on peut tout nettoyer à l'eau, que c'est possible de plus utiliser de produits. Bon, voilà, chacun sa mission, mais en l'occurrence, moi j'ai besoin de personnes qui ont ça ici, là, dans le cœur, en disant c'est bon, quoi, j'ai envie d'agir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, et si vous êtes intéressé par ces recrutements de vendeurs à domicile, conseillers et conseillères en vente directe, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'entreprise et à consulter www.h2oathome.com, son site internet, entreprise située à Allaines-les-Eaux-Bourdins. C'est la fin de cette édition régionale. On se retrouve d'ici quelques instants pour l'édition locale, mais tout de suite la météo.